sortie. Ensuite, il nous a rappelé par groupe. Quand tu viens, il te dit, lèvez votre bras. Après, on te regarde ensuite et on te dit, passe de ce côté à droite ou de l'autre à gauche. Offert dans cette sélection aussi, il y avait des groupes. Après avoir fini cet exercice, il a dit, vous qui êtes de ce côté-là, vous ne pouvez pas intégrer l'armée. Selon lui, ce groupe de personnes est constitué soit des personnes trop âgées ou des mineurs. Dans notre centre d'instruction de Kindia, nous sommes au total 61 personnes qui avons été radiées. C'est alors qu'on a suivi la formation depuis le 4 mai. Nous a confié cette rue. Cette jeune précise que les 61 recrues qui ont quitté le centre d'instruction de Kindia ce lundi 21 août 2023 entre 20 et 21h pour rentrer chez chacun chez lui avant de quitter le camp. On nous a moralisé là-bas, on nous a donné chacun 500 000 francs guinéens. Ensuite, ils nous ont dit d'aller à la gare voiture pour s'embarquer et rentrer chacun chez soi, a ajouté cette jeune avant de lancer un appel aux autorités. Je demande aux autorités de nous aider à intégrer l'armée parce qu'on a beaucoup souffert là-bas pendant ces 4 derniers mois, a lancé cette jeune qui était candidate pour intégrer l'armée. Constaté par notre rédaction sur cette affaire, une source du ministère de la Défense nationale nous a confirmé cette information tout en fournissant des détails sur les véritables motivations de cette opération. Selon notre source, plusieurs recrues ne répondent pas aux critères exigés pour servir sous le drapeau, d'où l'initiative de cette action de radiation de toutes les personnes ne répondant pas aux exigences du recrutement.